Bonjour à tous, c'est Mana. Vous êtes sur SWFR TV, bienvenue pour ce live. Comment allez-vous? Ah, ça y est, je suis apparu. Tout le monde me dit coucou, coucou, coucou. Je vois qu'il y a du monde. Excellent. Vous êtes chaud parce que ce soir, on va faire de l'arène en temps réel. Hein. Ça va pas rigoler. On va la jouer sérieux. Bon, excellent, je vois que vous êtes là, je vois que vous êtes en forme, c'est très très bien. Le titre, mais tu as tout à fait raison, je vais le changer tout de suite. Hop. Voilà, Mana. Hops. Je vais pas mettre ça. Voilà. Et je mets à jour. Ça s'est mis à jour? Ah oui. Excellent. Hey Darna, comment vas-tu? Ah Darna, mon pauvre. Je t'ai toujours pas appelé. Je sais même pas si je vais le faire, j'ai tellement la flemme, c'est pas possible. Il faut que je fasse du sport. Sauvez-moi. Hey Gabe TV, félicitations. J'arrive pas à me cause sur le compte giveaway, le mail, peut-être une petite faute. Ah, il faut que je regarde Gabe TV alors. Je regarderai ça après le live. Gabe TV est l'heureux vainqueur du compte giveaway de la semaine dernière. Donc bah félicitations à lui. Ah, j'ai oublié la musique. On va se mettre un peu de musique quand même. Hop. Voilà. Bon, les gars, ce soir, au menu, vous le savez, comme d'habitude, on va se faire du GVG. On va se faire deux GVG, au milieu, on fera un petit peu d'arène. Et une fois qu'on aura fini... Je vais venir te chercher, Darna. Et une fois qu'on aura fini les deux GVG, on partira sur de l'arène en temps réel. Et pour ça, ben voilà, je vais vous mettre à contribution et puis ben, on se fightera, ça sera vous contre moi. et puis on verra. Mais vous allez voir, pour respecter un petit peu l'équité, parce que ben, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont des niveaux un peu inférieurs, vous verrez, j'ai mis en place un petit truc pour vous laisser vos chances. Bon, les amis, on est parti ? Ah non, avant, j'ai une annonce à vous faire, une annonce importante, la semaine prochaine. Je ne streamerai pas jeudi soir, je ne peux pas, je ne suis pas disponible malheureusement, donc je ne streamerai pas jeudi soir. Je streamerai mercredi soir et je streamerai de 20h à minuit. On va se faire 4h de chasse aux Eros. Ça va être 4h. Un live entier, rien que des summon sessions à base de pierre. Spécial chasse aux Eros. Je ferai pas de review de compte, non, pas avec Gigi. On a essayé de voir si on arrivait à faire ça ensemble et c'est un peu compliqué. Donc voilà, tant pis, on fera tous les deux de son côté, malheureusement. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, avec Gigi on fera d'autres choses, c'est que partie remise, ne vous inquiétez pas. Et puis bah donc voilà quoi, à partir de 20h jusqu'à minuit, un long stream de Summon Session. Je terminerai par la mienne. Et on essaiera enfin de choper Zeros. Sinon à part ça... Ah ouais, GG plus Mana, ça fera 8h de Summon d'un coup. Ah, les gars, bravo hein. Les gars, bravo, si vous arrivez à vous faire 8h de Summon dans la journée, vous êtes des grands malades. Bon, bah voilà, donc c'est dit, l'annonce c'est ça. Jeudi prochain, je ne live pas, malheureusement. Je live à la place mercredi soir de 20h à minuit pour une méga chasse aux Zeros. Je mettrai un post sur Facebook pour vous inscrire. Et ça va pas être très compliqué, je prendrai par ordre d'inscription. Comment on fait? Est-ce que je fais quand même des vélins? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir. Vous verrez ce que je mets. Vous verrez
ce que je mets dans le message. Est-ce que je prends aussi les vélins mystiques? Est-ce que je mets une limite minimum de pierres? Parce que s'il y a juste une invoque, vous voyez, c'est compliqué de prendre 5 minutes pour se connecter sur le compte de quelqu'un, pour faire juste une invoque. Peut-être qu'il y aura un minimum de pierres nécessaire quand même. Et puis voilà. Je vais y réfléchir. Je vous mets un petit post sur Facebook. Je vous laisse vous inscrire. Et puis ensuite, bah voilà quoi. On fera selon la liste. Et puis voilà. Ok, bon, bah écoutez les gars, je crois que c'est l'heure d'y aller, hein? Je crois que... Oui, on réserve des places pour SWFR. Oui, 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 tout à fait, c'est déjà prévu. En fait, il y a déjà des, entre guillemets, VIP d'inscrits. Et puis, voilà, évidemment. Bon, un petit peu de GVG. Hey, newbie! Coucou! Non, mais... Newbie, c'est un troll, c'est pas possible. Elle arrête pas. Bon, il fait chaud. Tu parles. Merci Newbie. Mais purée, zut, j'avais pas vu. Ma barre, elle est remplie. J'en ai pas d'autres, tant pis. Ça restera comme ça jusqu'au prochain live. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent faire des dons, mon compte PayPal étant en franc suisse, hein, vu que je suis en Suisse, si vous voulez que ça apparaisse, il faut le faire aussi en franc suisse et pas en euros. Si vous le faites en euros, ça apparaît pas parce qu'il faut que je le valide avant. Voilà. Monte un carac. Mais pourquoi tout le monde veut que je monte un carac? Bon, ok les gars. C'est dit, c'est parti. On va se faire un peu le GVG. Allons-y. Nous sommes contre Code of Honor. Et on a déjà gagné. Bah c'est cool, du coup. Ça va nous permettre de nous amuser un petit peu. Il reste 34 minutes, ça devrait le faire. Je permets juste de jeter un petit coup d'œil à ma def. C'est ma nouvelle def avec l'arrivée de Syrah. Je teste, voilà. Syrah, Orion, Perna. Voilà. Qu'est-ce que ça donne au niveau de défense? Ah ouais, alors pour l'instant, je suis toujours... ouais. Je sais pas si on a été attaqué en fait, parce que on est en dev troll jusqu'au mercredi soir, donc du coup je sais pas si on a été attaqué aujourd'hui en fait. Défense, ça date de quand ça? Ça date d'il y a une minute, ok d'accord. Alors, est-ce que j'ai été attaqué? Non. Je suis pas attaqué donc du... Ah si, je suis attaqué, une lose, une victoire. Ah, vous voyez, mon groupe 2, il a gagné. Mon groupe 2, il a gagné. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y en a pas d'autre. Ah ouais, sinon ça remonte à 22h. Ok, bon, depuis que j'ai remis ma vraie def, il y a eu un seul combat et je l'ai gagné. Donc, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'il nous propose, ce petit Code of Honor? Ouais, d'accord. Ah, ça c'est intéressant, par contre. D'accord, d'accord. Ok. Et puis... Ah ouais, il y a quand même des trucs... Il y a quand même des trucs sympas, il y a quand même des choses sympas. On va attaquer lui. Ok, dans son groupe 1, il a un leader skill de vitesse, un Bernard. On a bien compris, hein. C'est une speed team. Il veut, voilà, prendre l'initiative et y aller direct avec son Théomars. Du coup, en face, on va aller mettre... On va aller mettre... Hop, voilà, la team Théo. Pourquoi je mets la team Théo? Parce que Velajuel et Chazune sont en wheel. Du coup, il y a éventuellement que Théomars qui pourrait prendre un taquet. Genre un break def, un taquet. Mais c'est pas trop grave, puisque derrière, il y a Chazune qui va le full heal. Et Velajuel qui va le dispel. Après, il faudra voir ce que fait son Chiwu. On verra. En dessous, ok, ça sera une team... Qu'est-ce que je mets? Ce que je pourrais faire, c'est mettre une team bomber. Par contre, faut faire attention, il y a un leader skill de résistance, donc ils doivent gentiment être tous à 100% de résistance. Du coup, ça va être un petit peu compliqué d'y aller à la team bomber. Je pourrais mettre un Randy Copper, mais avec Pra, ça va être un peu complexe. Ça va être un peu embêtant avec Pra. Bon, et vous savez quoi? On va éboroniser tout ça. Hein? Je pense pas que la Pra, elle est 30k points de vie. Et mon Oberon à Walp, il fait 30k dégâts.
Donc, je pense que ça va le faire. Une fois qu'on est débarrassé de Praha, on est a priori tranquille. Faudra faire quand même attention au break dev du Ritech. On va voir comment ça se passe. Enfin, je vois un Wadam. Tu vas même le voir avec le skin. Hé hé, il faut copperiser tout ça. J'aime pas trop envoyer copper contre les... C'est moi ou ça lag un peu? J'aime pas trop envoyer copper contre les pras parce que... Ouais, non, ça va. Ça lag pas. J'ai eu l'impression que ça avait lagué. Vous me dites, hein. J'aime pas ma guilde. Je suis désolé. Sérieusement, à chaque fois que j'invoque pour quelqu'un de ma guilde, à chaque fois, c'est une summon complètement pourrie, quoi. Look, TS, je le poke. Ah ouais, mais je regarde jamais TS. Ah, Flyzen. Flyzen voulait vous parler du marathon. Oui, oui, oui. Flyzen va faire un marathon le 16 juillet. Il vous en dira plus à ce moment-là. Les horaires, exactement, tout ça. Mais prévoyez, hein, déjà, le 16 juillet, un joli petit marathon avec Flyzen. Ok, bon, bah maintenant, on risque plus grand-chose. Hein, le Théomar, c'est mort. Je vois pas comment il pourrait me faire du mal avec ce qui reste. Ouh là là, il n'y a pas beaucoup de points de vie en plus, ce Chihou. Ça lag un peu. Mais oui, j'ai l'impression, c'est bizarre, c'est sur mon OBS. Je sais pas pourquoi. Ah, ça va, honnêtement. Un tout petit peu, je sais pas pourquoi. Ok. Donc, on va faire ça. Mais je pense que, a priori, s'il est malin, il y a Praha et ensuite. Ah! Effectivement, donc il y a eu Praha et ensuite il y a eu Ritech, malheureusement. Praha, elle a laser. Donc on va tuer Praha. Comme ça, on sera tranquille. Ou pas! Et une Praha qui a plus de 30k points de vie. Joli. Je pensais pas. Le skill 3 qui part dans l'immunité, ça c'est bien. Je suis bien déçu là de pas avoir tué Praha. Bon, c'est pas grave, je sais qu'il lui faut un petit peu plus. Et on va se calmer là. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Hop. Mais vous allez laisser mon Wadam tranquille? S'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Hop, et voilà. Il est caché derrière son boubou. T'es pas sur le 6667, c'est juste, tu as raison. Hop. Voilà, j'y suis. Quand est-ce qu'il a eu Wadam? Mais les gars, ça fait longtemps que j'ai Wadam. Alors... On va se récupérer notre cooldown. On tuera le Ritech au prochain tour. Ouais, joli, hein. Tu as vu la Praha, comme elle était costaud. Elle avait pas mal de points de vie. Bon, boum. Au revoir, Ritech. Et là, on peut envoyer l'automatique. Qu'est-ce que vous me dites? Salutations du soir. Coucou, comment vas-tu? On fera 12 heures de ranked sur OW, nous. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh my god, le mec il a le droit d'effet light. Ouh là là, je vois qu'il y a des nouveaux parmi nous. The Zombieman 45. Alors, salut Mana, c'est moi Bilal. Si tu fais ma summon sur le 27 ou 28 décembre, c'est bon. Bilal, on regardera ça sur Facebook. Je summon les jeudis. Pour ceux qui ne savent pas, je fais des summons pour les viewers, je fais des summons le jeudi, il faut s'inscrire sur une liste d'attente. Et pour l'instant, je crois que les prochaines places libres, c'est... fin octobre. Ok, ça c'est fait. Alors. En bas, c'est sympathique, mais je pense qu'on va bomber. J'espère qu'il n'y aura pas trop de wheel. Ça me fait peur parce que c'est pas un leader skill de vitesse. Il y a quand même des chances qu'il y ait du wheel. Hein. Au moins le triton. Bon, là, on verra bien. Et puis en haut, comment on se fait ça? Comment on se fait ça?
Alors... Ah, le problème c'est que... Ah si, je pourrais Orion en haut. Ouais, mais en haut, la Tiana, elle risque d'être en wheel. Donc du coup... Qu'est-ce que je pourrais? Ou alors j'essaie de bomber en haut? Ah, mais ma... J'essaie de bomber en haut avec un Orion? Parce que ma Mégane, elle sera jamais plus rapide que... Je suis dans l'hésitation, Je ne sais pas, où est-ce que j'y vais comme ça? Ah, si j'y vais comme ça, je prends des risques, hein, parce que, évidemment, il y aura Tiana qui va dispel, Galion, et puis après, Break Def. Son Théo avec le buff attaque, le leader speed de vitesse, il peut très bien OS une de mes... Ouais. Là, je pense que même s'il break def mon Wadam, pas sûr que son Théomar s'il le OS. Allez, on va comme ça, on va bien voir ce que ça donne. Je suis tendu sur la team 1 et je suis pas à l'aise sur la team 2. La dominatrice. Alors, effectivement, voilà, il y a du will partout. C'était prévu. Par contre, je vais pas faire le bouclier. Allez, je suis un fou, je vais pas faire le bouclier. Parce que de toute façon, voilà, elle l'aurait dispel, donc ça servait pas à grand chose. Ah, par contre, il n'y a pas eu le break def là. Ça, c'est dommage. Du coup, on va en profiter pour tuer. Ah, j'aurais dû tuer. J'ai fait n'importe quoi. Vu qu'elle avait déjà fait son skill 3, j'aurais dû tuer Galion plutôt. C'est pas grave. Pardon. Petit misplay. Voilà. Ça tombe bien. Hop. Boum. Il y a tout qui part. Dans. Hop là. Dans le bouclier. Eh. Il cogne fort lui. Tu vas mourir toi. Non mais. Ok. Et puis bah on va gentiment finir le Galion. Hop. Voilà, break def, break attack. Le Théomars, il va pas faire grand chose. Hop, boum. Et voilà. Est-ce que Grogo est utile pour le géant? Parce que je suis bloqué, je sais pas qui mettre dans ma team géant. Bah écoute, je te conseille d'aller regarder le tutoriel que j'ai fait sur le géant B10. Ah. Voilà. Bon, maintenant, on va lui mettre un petit break attack. Ah non, dommage. Non, ne tue pas Megan. Elle est beaucoup trop gentille. Voilà. Alors... Salut Zeiker. Pas aller sur la team 2. Eh, hein, on a failli perdre Megan. Eh, mais Rytra qui m'attaque. Ah non, qu'est-ce qu'il fait? Il m'invite en arène en temps réel. Rit, attends. Il faut que je fasse encore mon GVG. Alors, bon. D'accord. Comment on va se faire ça? Bon, en haut... Ah, vous vouliez voir quoi tout à l'heure? Vous m'avez dit... la dominatrice? Allez. On se sort la maîtresse dominatrice. Et en bas, on va continuer à bomber. Parce que les bombes, c'est marrant. Est-ce que j'aime les glaces? Oui, j'aime les glaces. Qui n'aime pas les glaces? Je sais pas si j'en ai pas au congélateur. Mais Rit, arrête! Hop là, oui, un petit break def. Ah. Petit break def sur Belladeon, j'ai dit. Hop là. Ça, c'est fait. Comment je dois ruiner ma Vanessa?
Bah, je sais pas, comment tu la runerais, toi? C'est quoi ton idée? Coucou Twitch. Alors, on va reposer un petit break def là-bas. Ah! Boum. Ok, fini. Salut Fizello. J'aime pas Alicia. Tu as tort, c'est le meilleur farmer du jeu. Ah, Flyzen, il voulait du panda, mais peut-être la prochaine fois alors. Alors ça, ça va se bomber. Tous les jours, ça se bombe. Bah, pff, voilà, pff, voilà, je sais pas qui mettre, mais boum. Voilà. Moi, mon Eshir, il fait pas ça. Alors, je te propose ça, d'aller regarder le gros plan que j'ai fait sur Jultan Eshir, et tu verras un petit peu les runages que j'ai mis. Et tu verras, après, ton Eshir, il pourra faire ça. Hop, ok, donc bah voilà. On va se faire un peu d'arène en attendant. Oulala, mais... Il y a un monsieur qui s'énerve, là. Il y a un monsieur qui s'est bien énervé. Eh, mais c'est quoi toutes ces... Qu'est-ce qui se passe, là? Mais qu'est-ce qu'ils ont avec ma def? Je fais pas de combat, je remonte G2 tout seul, quoi. Il va falloir se calmer, hein, parce que vous savez que je me sens obligé de revenge systématiquement. On va voir. Montre-nous ton panda avant. Je vais vous montrer mon gros panda. Est-ce que je connais Gelatomania? Non. Non. Nous, on est en Suisse, on mange des glaces à Mövenpick, qui sont très très bonnes. Newbie, tu crois que je t'ai pas vu sur le 6667? Maman, je passe à la télé. Ok, à qui on va en mettre une deuxième? On va en mettre une deuxième à Chazun, ou pas. Ou pas. Ah, Chazun et même pas stun. Ça. Elle va même pas mourir, vous allez voir. Oh là 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 là, mais... Eh, vas-y, vas-y, proc. Enfin, sérieusement, quoi. On va perdre là-dessus, hein. On va perdre sur Chazun qui n'est pas stun, qui proc et qui proc. Ah. On va se calmer, monsieur Perna, aussi, là. Elle ne prend rien. Sa chazune, elle a décidé. Non, non, je... Non, non, c'est décidé. Moi, je prends pas d'effet nocif aujourd'hui. C'est jeudi, quoi. Et jeudi, jeudi, c'est non. Allez. Bon, mais tu es là. Je m'en fous. Débrouillez-vous. Je regarde le chat. Alors, full énergie est un bon runage. Je ne sais pas. Pour qui? Pour Vanessa, toujours? Ah, au début. Pourquoi pas? Tu fais un truc à base de Swift. Swift énergie, si tu veux. Mais voilà. Vitesse, point de vie, ou vitesse, def, point de vie, quelque chose comme ça. Le giveaway se déroule comment? Bah, c'est fini, le giveaway. Le tirage au sort était cet après-midi. Il y a déjà la vidéo sur ma chaîne. Ok, on va arriver en juste une fois, hein. On va pas s'acharner sur eux. Je sais pas ce que... Ah. Il me cherche, lui, il me cherche. Bon, par contre, il doit y avoir un max de points de vie, hein, donc on y va comme ça, mais je suis pas très confiant, parce que je suis même pas sûr qu'avec une bombe chacun, ça suffise. Je pense pas, là, d'ailleurs. Et en plus, ils sont runés en bouclier. Alors, c'est définitivement non, ça ne va pas passer. Voilà, on va essayer de mettre deux bombes sur... Voilà, Eladriel, histoire d'être débarrassé. Mais vraiment, celui qui va me poser problème, c'est Velajuel et Xingze. Mais Xingze est stun, et ça, c'est très bien. Ah, ah. Alors là, je suis dans la merde. Là, c'est mal barré, moi, je vous le dis tout de suite. Ops. Ouais, tu peux monter un peu le slow si tu veux. C'est très mal barré. Maintenant qu'ils ont l'immunité là, 3 tours, c'est complètement insane. Oh là là. Voilà. Ah.
arrête de me taper. Non. Bon, ok, ça c'est bon. On va peut-être faire ça. On va peut-être faire ça. Je vais peut-être m'en sortir, hein, mais ça va être... ça va être chaud. Voilà, on fait ça et on fait péter tout le monde. Boum. Ah. Voilà. Bon, bah lui, on va dire qu'il est mort. Non. Pas Sira. Voilà. Hop, très bien. Comme ça, il est mort, mais il ne le sait pas encore. J'ai eu Sira et Malaka bas level. Je sais toujours pas comment les runer. Je peux farm le géant B7. Bah, je te conseille de regarder mon gros plan Malaka, déjà, ça va t'aider. Ensuite, tu peux aussi regarder le tuto sur le géant. Encore une def réussie, mais... Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à rater contre ma def, là? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma def? Elle a rien de... 33% de win rate, hein, quand même, en def. Ok. Ah, c'est pas mal, hein. Verad, on en rencontre pas mal en ce moment en arène. Je pense en particulier à celui de SX... Il y a la fâcheuse tendance à me défoncer. Il est mais tellement fort. J'ai une Camille runée full énergie. Du coup, elle a 32k points de vie, mais on dit qu'elle est mal runée. Comment je dois la runer? Camille, grosso modo, t'as trois façons de la runer. Full knocker, attaque des guerriers qui attaquent. Full tank. Full point de vie, où tu vas aller chercher du taux de critique, de la résistance et de la vitesse en sub, ou un hybride. Attaque, dégâts des critiques, point de vie, ou attaque, point de vie, point de vie. Et là, tu vas chercher du taux de critique, du dégâts des critiques, de la vitesse en sub. Après, c'est plutôt des runages quand même. Les runages hybrides, c'est quand même des runages plus haut niveau, parce qu'ils demandent vraiment des grosses runes, quoi. Ok, il y a du monde sous immunité, là. Ah yes, ça c'est pas mal. Ce qui est chiant, c'est que la Tiana, du coup, elle va retirer tous les stuns. Ouais, voilà, on va mettre une deuxième là pour être sûr. Boum. Bon, voilà, il est plus stun, mais il a un point de vie. Mais il a failli tuer mon Malaka. Alors, qu'est-ce que vous me dites d'autre? Les gens, j'ai un doute, Mana, il est belge ou suisse? Il est belge! Mais non, il est suisse. Il y a bien assez de belges sur cette chaîne. De belges, vous avez Herbacha, vous avez Gothéa, vous avez Julien. On est envahi par les belges. J'ai perdu mon compte et quand je me co, ça écrit échec de conversion de compte. Alors là, Marc, je pense qu'il faut que tu contactes le service client de Come to Us sur le site de Hive. Ça n'arrête plus, les défis réussis, ça n'arrête plus. Alors je pense que s'il a fail autant de fois sur ma def, c'est que mon Orion a outspeed le sien. J'imagine, je vois pas de raison pour laquelle il aurait fail autant de ça. On va voir. Mais oui, les Belges, c'est très bien, j'adore les Belges. Je trouve que c'est vraiment des gens trop cool. D'ailleurs, beaucoup plus cool que les... Wouf! Il y a du wheel. Il y a plein de wheel partout. Ouais, j'adore les Belges. C'est un peu les Belges, vous voyez. C'est un peu les Québécois de l'Europe, en fait. Je trouve qu'ils sont cool comme les Québécois. Bon. J'ai peut-être fait une bêtise. J'aurais peut-être dû assurer de tuer au moins l'un des deux plutôt que de mettre les deux à genre 25%, là. Eh ben évidemment ça proc parce que c'est moins marrant sinon. Ah ah ah! Elle a raté. Ouais c'est égal, je m'en fiche. Ah! Bon, on a perdu Orion. Ça va être chaud là. Hein. Ok, ça c'est bien. On a gagné!
PAM. C'était chaud quand même, hein. Est-ce que... Oui, il y a une nouvelle version de SW Parser, si jamais. Oui, oui, oui. Alors, par contre, je sais pas si... Je ne sais pas s'il y en a pour Mac. Je ne crois pas. C'est dommage, parce que samedi, c'est le Free Run. Je crois que je vais être un peu... Je crois que je vais être un peu embêté. Ok, là, nous avons quoi? On a une Speed Team à base de Chiwu, Bernard, Orion, Zeros. Il y a un truc bizarre dans cette team. Comment est-ce qu'il a fait pour perdre contre moi? Je comprends pas. Je veux dire, il a un Bernard qui est censé être plus rapide que mon Orion. On va voir, on va voir. Ah, il est plus rapide, on est d'accord. Eh, bon, je crois que celle-là, elle est perdue. Définitivement. Je comprenais pas pourquoi il avait perdu, mais je ne sais pas. Je sais toujours pas ce qu'il a fichu. C'est pas grave. Ah zut, je pourrais pas le rebattre avec une autre team. Ça, c'est dommage, par contre. Ouais, bon. Là, on peut laisser tomber. Eh, mais ça va? Comment vas-tu, Steven? J'ai vu un message passer tout à l'heure. J'ai vu un message passer tout à l'heure qui demandait si SWFR recrutait. Eh ben, vous ne pensez pas si bien dire. Effectivement, bah effectivement, on recrute. Effectivement, on recrute éventuellement un streamer. Par contre, on recrute un streamer expérimenté. Hein. On recrute quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le streaming. Quelqu'un qui sait comment ça marche, quelqu'un, voilà. C'est pour une mission bien particulière et bien précise. Et du coup, voilà, il nous faut... Ouh. Ah, ça c'est dommage. On va se calmer maintenant, hein. Donc voilà, effectivement, si vous êtes streamer et si ça vous intéresse de rejoindre la team SWFR, eh ben, n'hésitez pas, contactez-moi sur Facebook, et puis on en discutera. Mais, comme je vous l'ai dit, on recrute plutôt des gens expérimentés, donc il faudrait déjà que vous streamiez, qu'on puisse voir un petit peu ce que vous savez faire. Alors... Je pense pour un premier runage Shannon, c'est mieux un focus de énergie, vitesse, point de vie, ou un focus, un swift, point de vie. Écoute, pour Shannon, l'objectif c'est le géant B10, du moment qu'elle est quand même, ouais, c'est 15k point de vie. Après, effectivement, hein, au début, t'es peut-être obligé de passer par du full point de vie. Mais c'est à voir, tes deux runages sont corrects. Faut voir juste si effectivement t'arrives à avoir les prérequis nécessaires pour le géant, quoi. C'est surtout ça qui va décider est-ce que ton runage est bon. Montre-nous ton pont d'avant. Ah oui, c'est juste, vous vouliez voir le pont d'avant. Ok, ok. Vous voulez voir le pont d'avant. Alors on va montrer le pont d'avant, bah, sur lui, hein, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire comme team à base de pont d'avant? On va aussi sortir mon singe. Mon singe, il est pas mal. Il est pas encore aussi bien que celui d'Elphil, hein. Elphil, il a des runes, sérieusement, ça me dégoûte, quoi. Donc voilà, le mien, il a 22... Ouais, 22, 5k points de vie. Il a presque 2000 de def, mais 2000 d'attaque. 56 de taux de critique, 151 de taux critique en Violent Revenge. On va se le mettre en leader. Allez, c'est décidé. Ensuite, on va mettre le pan d'avant. Ensuite, il nous faudrait quoi? Idéalement, il nous faudrait un buffer. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Il nous faudrait un buffer. Et puis, il nous faudrait surtout une immunité, en fait. Ah ouais, parce qu'en plus, en face, il y a... En face, il y a Orion avec un leader skill de vitesse. Du coup, on va se faire outspeed. Alors, on peut pas faire ça. Donc, on va mettre ça. On va mettre Chiwu. Et on va mettre Chloé. Elle est pas très rapide, ma Chloé. Hein. J'ai peur qu'elle se fasse outspeed par l'Orion.
J'ai peur qu'elle se fasse outspeed par le Orion. Et si c'est ça, on n'est pas bien. Bon, on va essayer comme ça. On verra bien. Si ma Chloé se fait outspeed par le Orion, et du coup bah, que je me prends l'enchaînement Orion-Syra... Ah bah non, elle est plus rapide. Ok, bon bah très bien du coup. Bam! Eh oui, c'est comme ça que ça marche. On va retirer un petit peu tous ces buffs. Hein. Et au passage, stun Ritesh. Donc on est très bien. Eh ben voilà, ça t'apprendra. On va s'occuper d'elle, puisque elle, c'est un gros problème. Alors, voyons voir. Ok. Bon là, il fait pas beaucoup de dégâts, il a pas de leader skill de def. Il a pas de buff def, il a pas grand chose en fait. Ah, Xenos, tu veux voir ma def arène? Je te montre après, ok. Et oui, hein, faut se méfier, hein, le roi singe. Si vous le focussez pas, c'est pour ça qu'il est si fort en attaque. Parce que si vous le focussez pas, vraiment, il va vous embêter. Hein. Le double contre-attaque. Boum boum. Allez, on met l'automatique maintenant. On se dit qu'on est tranquille. Qu'est-ce que vous me dites d'autre? Tu préfères un triton DPS ou tank? Ah, les deux sont sympas. Hein. Les tritons ou les Poséidons en DPS, ça peut bien bien surprendre. Hein. Alors Mana, je dois ruiner comment Galion? Alors je te propose d'aller regarder le gros plan. Tout simplement. Eh les gars, si je fais des gros plans, c'est pour que vous ayez pas ce genre de questions à poser. Justement, c'est pour que vous puissiez vous-même, tranquillement, aller chercher la réponse. Hop. Voilà mon pan d'avant. On va rafraîchir les listes et voir si on trouve pas, pour finir, quelqu'un qu'on connaît. Ah, il y a Rit. Yes. Bon, il y a forte chance que je me prenne une grosse tatane. Mais bon, bah, il y a Rit quand même, quoi. Ok, bon. Alors, comment on va faire ça? Syra Orion et son Orion... Je peux pas faire la même chose. Je peux pas faire la même chose parce que son Orion... Parce qu'il a Wadam en fait, et si je fais la même chose, je vais pas pouvoir tuer tout le monde en fait. Mais peut-être que je pourrais les stun. Ah, c'est risqué. Hein. Je vais prendre ça parce que dans sa team en fait, finalement, il y a que Orion comme stripper. Et vu que dans cette team, il y a que Théomars qui n'est pas en wheel, bah ça me fait pas trop peur. Comment ruiner Frégate? Eh, hey, Achente! Hey Mana, comment vas-tu? Je tiens à te dire bravo pour la magnifique summon de Grekota, mais c'était un plaisir. La guilde a eu plusieurs demandes par la suite, sinon je vais commencer à te mettre de côté pas mal de choses. Mais ça sera avec un grand plaisir. N'hésitez pas par contre, il faut se dépêcher de s'inscrire si vous voulez des summons, parce que je vous dis, la liste est ultra longue. Et puis bah voilà, si vous vous inscrivez aujourd'hui, c'est fin octobre donc... Mais ouais, là, la summon de Grekota, elle était complètement pornographique. C'était affreux. Es-tu plus fort que YDCB? Ah non, 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 je suis très, 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 très loin en dessous de YDCB. Hein. Ne serait-ce que sur le serveur Europe, hein, je suis très, très loin des top players. Hein. Ok. Alors, je sais pas si c'est la bonne technique, mais on va essayer de se faire... Voilà, on va essayer de se faire Wadam en focusant, en fait...
Hops, en focusant Syrah. Allez, on va essayer de stoner un peu de monde là. Non, malheureusement. Ça ne va pas assez vite, hein. J'arrive pas à la descendre assez vite. Hop, heureusement, un petit proc du Vélajuel et du coup, on se retrouve à nouveau. Avec l'immunité pendant 3 rounds. Ah, un petit revenge, ça fait toujours plaisir. On va en profiter pour vite aller finir le petit Wadam. Et puis finir la Syrah. Et là, on est bien. On peut envoyer l'automatique. Alors, c'est quoi ta solution pour si tu affrontes des petits levels que toi? Ah ah, tu vas voir, Falkix. Il est curieux. Ouh, je viens de voir popper un petit moine bestial, là. Un petit Ritet, GG. GG à toi, Lisalou. Je peux ruiner comment Orion pour les combats GVG et Arène. Eh ben, c'est pareil, il y a un gros plan sur Orion. Je te conseille d'aller voir. Comment ruiner Frégate? Frégate, en fait, je le runerai un peu comme un Bernard. C'est un boost ATB après tout, hein, donc moi je le runerai exactement comme un Bernard. Bon voilà, on va aller voir si notre petit guild leader préféré a relancé le GVG. Bah Koro alors. Bon, Koro n'a pas relancé le GVG. Du coup, on va se faire encore une ou deux petites arènes. Rafraîchissons pour voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on connaît? Non, il n'y a personne qu'on connaît. Bon bah tant pis alors. On va se faire quelqu'un au hasard. Oh, joli Shazam. Ah, joli hein. Très 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 joli cette team. Les leader skills de résistance comme ça, j'y vais pas avec les bombeurs parce que franchement, voilà quoi. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus? Bon, on pourrait prendre cette team là, allons-y. Oui, j'ai fait le World Boss. En fait, j'ai fait le World Boss parce que ce matin, il lui restait plus que 1%. Donc, du coup, voilà, je voulais faire le World Boss pour pouvoir avoir fait tous mes combats sur celui-là. Voilà, on est débarrassé, hop, de lui. On est parti en auto, on va voir. Il a Shazam, il doit mourir. Écoute, on va voir. Écoute, j'ai tué Théomars, maintenant je lance l'automatique et on va voir comment ça se passe. Il y a un TS SWFR. Oui, tout à fait, il y a un TS SWFR. Eh ben voilà, Tony. GG Tony, l'homme qui dégaine la commande plus vite que son ombre. Comment ruiner Taor, Fatal Lame? J'aurais plutôt tendance, pour les chimères, à dire Swift Lame. Si tu le mets en fatal ou alors tu le mets en... Enfin voilà, vitesse, dégâts des critiques, points de vie, quoi. Pour les comptes bas level, comment tu vas faire pour combattre? Ah, mais je vais vous montrer après, vous inquiétez pas. Soyez pas pressés. Quel chan pour l'arène en temps réel? Bah on va rester sur le 6167, pas de soucis. Tu gagnes combien de cristaux par semaine? J'en ai aucune idée, ça dépend de combien je finis en arène, combien je finis au world boss... Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Pas, peut-être. Je sais pas. Enfin, non, j'en sais rien. Peut-être 400, je sais pas. 500, peut-être, je sais pas. Après, il y a aussi les ceux que vous dropez, ceux que vous chopez dans les quêtes quotidiennes, ceux que vous chopez en TOA. Mana où on donne son compte parce que du coup je vais peut-être donner mon compte actuel. Ah cool Gap TV, bah écoute c'est très bien, je trouve que vraiment ton raisonnement il est cool quoi, t'as chopé un meilleur compte que le tien et du coup tu veux passer le tien, c'est sympa. Écoute, contacte-moi sur Facebook et puis on regarde ça. Et GG encore à toi hein, d'avoir gagné ce compte. Bon, est-ce qu'on gagne là? Ouais, on gagne.
Chevalier magique Dark, c'est good. Ah là là, on ne me parlait pas des chevaliers magiques. En plus d'être moche, je les trouve nuls. Ok, on est contre Barcelona Drex. On va les défoncer parce que je déteste Barcelone. J'y suis allé une fois. Non, c'est pas vrai. J'y suis allé deux fois. J'ai détesté à chaque fois, quoi. Ah, oh, franchement, Barcelone, quoi. Ok, alors, qui c'est qu'on va se faire ? Tigrégo ? Grégo, c'est très sympa. Hein. Si vous le focussez pas en premier, avec son passif... Voilà quoi, la puissance d'attaque augmente de 50% si un ennemi ou un allié meurt. C'est juste énorme. Ça peut vraiment taper très fort, quoi. C'est une petite guilde, hein. Allez, on va aller voir ce que ça donne, Grégo. Hop. Et ben on va y aller comme ça aussi d'ailleurs. Et puis en haut on a quoi? Qu'est-ce que vous voulez voir? Je déteste aussi. Tu détestes Barcelone? Tu viens de perdre un streamer. Je suis navré, je suis désolé. J'y suis allé deux fois ça a été une mauvaise expérience. Du coup je suis allergique maintenant. Et le pire c'est que ma femme elle adore quoi. Elle y a vécu pendant un moment et... Voilà, mais moi non. Moi vraiment Barcelone... C'est un gros sujet de dispute d'ailleurs à la maison. Aïe aïe aïe. Vous voulez voir le panda? Ok, vous voulez voir le panda? On va sortir le panda. On va faire une petite team. Une petite team à base de panda. Panda, roi singe et Emma. Poc, voilà. Emma, c'est sympathique parce qu'elle va amener le buff def. Plus le leader skill de def du panda, ça fait un truc assez sympa. Et puis en bas, on va bomber. Allez hop! Ah oh bah tant pis. Hein. Tout ça parce que les quoi? Les pattes sont trop chères? Non! Ah! Ouh, il a pas fait beaucoup de dégâts son crush! Alors, on va faire ça. Je vais pas faire le bouclier maintenant. Je sais qu'il a le break def, mais... Oula. Ça a cogné un peu, quand même. Il avait pas beaucoup de points de vie, Stavor. Allez, on va faire le buff def sur le panda. Et puis voilà. Un glancing, c'est très bien. On va se protéger comme ça. Hein. Est-ce que Platy est un bon monstre? C'est sympa. C'est sympa, c'est pas le monstre de l'année, mais chez les sirènes, de toute façon, malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. J'arrête pas de me faire inviter pour des arènes en temps réel. Et comment vous faites d'ailleurs, les gars? Parce que c'est pas forcément des gens que j'ai en liste d'amis, non? Et j'ai pas parlé sur le chat? Si, je sais plus. Allez! Ah zut, quel idiot, j'aurais pu le dispel. Bon, j'envoie l'auto de toute façon. Ah oui, j'ai dit GG pour Ritesh, t'as raison. Je pense quoi de Ragdoll? Je pense que c'est chiant dans la Théoard. Sinon, à part ça, bon. C'est un 5 étoiles Dark, donc ok, c'est sympa, mais à part ça... J'ai eu Psamat en 3 V1 et Rika en 2 V1 en voulant invoquer les 3 toules. Et ben, l'agence, félicitations. Ah non! Il y a du Will sur Grégo. Je suis dans la merde. Bon. Ça va être chaud parce que je vais tuer tout le monde à côté. Lui, il va rester là. Aïe, ça va faire mal. Ah non, ça va. Ah! Arrête! Tu arrêtes maintenant. Ah, un Ifrit qui a popé et c'est... Ah, et c'est Aka. Ah non, on va plus pouvoir bomber sur ce combat. Ah
Ah, on a perdu Malaka. Bon, tant pis. Ce qu'on pourrait faire, c'est essayer justement ma team... Ah, je vous ai toujours pas montré ma Death Arena, en fait. Pardon. Allez, on s'est fait un plus 3, on va se faire un plus 2. Ah, je vois Chris, là, ça me fait penser que... Je sais pas si vous avez vu, mais ce week-end, il y a le SD Ardella. Moi, je vous conseille quand même d'en farmer quelques-unes, parce que, sur un malentendu, vous dropez Bethony, ou vous dropez Chris, direct, vous pouvez les skill-up. Donc pourquoi pas. Et puis même Ardella finalement en raid, alors ça demande un gros runage, je suis d'accord, mais même en raid ça peut être sympa quoi. Arrête de crier dans mes oreilles. Bah laisse ton micro Pimousse. Pimousse, débranche ton sonotone. Non, j'ai pas... j'ai pas Tiana, désolé. J'aimerais bien. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait attaquer? Ah, des Vérades, hein. On en voit partout des Vérades en ce moment. Alors ça, c'est une team classique. Le Vero, Verde, Bella. N'hésitez pas, hein. Honnêtement, si vous... qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas copérisé aujourd'hui, on va copériser. N'hésitez pas, c'est une team finalement assez facile. Le SD Archer Magique Vent existe déjà. Oui, oui, mais là, tu vois, t'as tout le week-end tranquille pour le faire, tu vois. T'as même pas besoin de refile, tu t'en farmes un petit peu le week-end, t'es tranquille. Alors ça, j'aime pas le break def là-bas. C'est embêtant, hein, sur un monstre def. On va essayer de mettre un glancing, voilà, très bien. On va se debuff. Hop. Et on va aller... Est-ce qu'on le stun? On va pas stun. Mana, que penses-tu d'une Kitsune O? Attaque, full attaque quoi, en vampire précision. La Kitsu O, Soa donc, c'est un stripper donc. Honnêtement, j'aurais presque plus tendance à la jouer comme un support en fait. Ouais. De toute façon, c'est pas vraiment un monstre que j'aime beaucoup, hein. C'est pas un monstre qui a du potentiel à haut niveau. Très honnêtement, moi je le montrais pas. Mais après, voilà. Ah, mais Verdeil commence à se rune. Et Verdeil, c'est un classique, hein. Va regarder le gros plan. C'est un classique de chez classique. Mais oui, tu as raison. Combien est-ce que j'ai de 5 nattes? J'ai compté l'autre jour, justement, après l'event de Lausanne. Pour voir à combien j'étais, et je suis à 19 nat 5. Sans compter les doublons et les fusions. Crazy Man! Hello Mana! 197 de speed sur Vero en Swift, c'est correct, où il faut plus, c'est 19k HP suffisant pour le GB10. Et le Panda O pour le level 38. Oh là, mon dieu! Alors, oui, et le Panda, j'ai pas eu le temps de voir la question. Le Panda O, c'était quoi? Pour le dragon peut-être? Je sais pas, j'ai pas vu. Mais en tout cas, oui, 187 de speed et 19k points de vie, c'est suffisant. Ok, on va tuer lui parce que lui, il est embêtant à poser des break def et à dispel. Et puis après, voilà, on va focus Verombos. C'est une petite guilde, hein, on voit bien qu'effectivement, on est au-dessus, hein, au niveau du niveau, donc je me permets de faire les trucs un petit peu trop... Non, j'ai pas compté les Ifrits justement, parce qu'en plus j'avais chopé des doublons. Je crois que j'ai chopé 2 ou 3 Thésarions. Donc j'ai pas compté. 1900 doublons, le mec free to play. Alors je suis absolument pas free to play, les gars. C'est pas un secret, hein. Je le dis volontiers. Ne faites pas comme moi. Enfin, ou alors faites-le, hein. Vous êtes libre. Je ne juge pas. Je ne dis rien. Alors, ouais, on va garder la team comme ça en haut. Et puis en bas, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui? On a tout fait, hein. On a fait le tour maintenant. Allez, on va ressortir ça parce que ça c'est fun. Ah zut, pas assez d'énergie. Sérieux? Ah ouais, d'accord, il manque un point d'énergie. Hop. Ah zut, j'ai pas fait... Oh, j'ai pas fini mes quêtes journalières, j'ai pas fait les 20... J'ai rien fait aujourd'hui.
coucou Mati. Comment vas-tu, Mati? Ça me fait plaisir de te voir là. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. C'était qui que j'attaquais? Je sais plus. Allez, on va attaquer lui, il est rigolo aussi. Ouais, puis on va garder les teams comme ça. Ah, quoique. Non, parce que là, il n'y a pas de. On va pas garder les teams comme ça, parce qu'il n'y a pas de dispel. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et puis en bas, bon, non, on va pas mettre ça non plus. Qu'est-ce qu'on va mettre? C'est tout lent. Ah, on peut plus bomber. Ah oui, j'avais dit que j'essaierais peut-être ma team. Voilà, ça c'est ma team def. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce qu'elle donne en attaque. On va voir un petit peu ce qu'elle donne en attaque. Le capitaine pirate feu. Le capitaine pirate feu, il déclenche les bombes. Donc pourquoi pas, ça peut être sympathique. Mais ouais, moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu qu'il ait quand même du potentiel à haut niveau. Ouais, on va faire ça. C'est pas grave, hein. On va se prendre des petits taquets, mais il a pas beaucoup de points lui apparemment. C'était qui mon premier 5 étoiles? Ouh, The Zombie Man, tu ne me connais pas bien! Je pense que dans le chat, les gens vont pouvoir te répondre. Tu vas voir. Combien est-ce que j'ai mis dans le jeu? Ouh là 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 là, il vaut mieux ne pas savoir. Il vaut mieux ne pas savoir. Pimousse Cerise, tu bosses ou quoi en journée pour pas faire tes quêtes? Eh ben oui, Pimousse, j'ai bossé aujourd'hui, jusqu'à midi. Cet après-midi, j'ai fait des vidéos, et puis ce soir, je live. Eh oui, bravo les gars, fais la juelle! Ah les gars, vous êtes au taquet! J'adore ça, excellent! Effectivement, c'est Velajuel qui a été mon premier Nat 5, je l'ai chopé très tôt. Bah voilà, j'ai eu beaucoup de chance, hein. Et du coup, ben, la vie est quand même beaucoup plus facile quand vous commencez le jeu avec un 5 Nat. Mais très honnêtement, la majorité des gens n'en ont pas et ils s'en sortent très très bien aussi, hein. Je pense en particulier à tous les gens qui ont attendu un an, voire un an et demi pour avoir leur premier 5 Nat. Bon, qu'est-ce que vous me dites d'autre? Malin, c'est mieux du dégâts crit en 4 ou attaque sur Chiwu? Alors Chiwu, moi je te le conseillerais plutôt en point de vie, hein. Vitesse point de vie, de la précis en sub ou vitesse point de vie précis. Voilà. Mais effectivement, un maximum de points de vie, quoi. Je l'avais testé un peu en nuker au début, mais c'est pas énorme, énorme, quoi. Alors voilà, cette team-là, c'est la team que j'ai en défense. L'idée, c'est ça, leader skill de vitesse plus Orion. Donc c'est une speed team. On essaie de prendre l'initiative, d'avoir l'avantage. On pose un break def, on est content. Du coup, on va pas attaquer le break def, on va attaquer le monstre d'eau, hein, comme l'aurait fait Syrah. Elle va ensuite déclencher sa bombe. Boum! Voilà. Continue de taper dessus. Là, lui, il va faire ça. Oh la vache! Ok, il a rien fait, quoi. Oh là 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 là. Hey Crazy Man! Mince, mon stream a crash. Si tu pouvais répéter, ce serait très sympa. Désolé. Mon pauvre Crazy Man. Obligé de refaire un don pour que je lui réponde. Je suis navré. Écoute, pour ton Véro, la vitesse et les points de vie, c'est largement bon pour Dragon, pour le géant Bélis. Et j'ai pas vu ta question pour le panda O. Peut-être que tu demandais s'il allait pour le dragon. En tout cas, je pense que oui. Je pense que ça peut le faire. Bon, là, on est mal parce que, bah voilà, quoi. Évidemment, il y a 3 tours de. Oh là là, 3 tours d'immunité, quoi. Mais en plus, c'est tellement lent, la team en face, quoi. Oh non, là, non. Je vais le perdre. J'hallucine. Mais pourquoi il fait si peu de dégâts, mon Perna, sérieusement? Ah, un petit break def là-bas, très bien. Ah, mais non! Il est nul, mon Perna, je suis. Oh là là là, on va la perdre celle-là, je suis dégoûté, quoi.
Allez, oui. Ah! J'hallucine, quoi. C'est dur, hein. C'est dur, hein. On est... La musique bug? Pourquoi la musique bug? Vous l'entendez pas? Ah non, mais sérieusement, quoi? T'es sérieux, là? Il est vraiment nul à chier, mon pernin, en fait. Sérieusement. Ah, je suis énervé. Bon, ok les gars, on a fini les arènes, on a fini le GVG, la musique saccade. Bon, je vais relancer iTunes alors. Ok, je relance iTunes et puis on verra bien. Voilà, dites-moi si c'est mieux. Bon, les gars, on est parti pour les arènes. Alors. Qui veut faire des arènes? J'attends vos invitations. Allez, Flyzen. Bon, Flyzen, c'est un membre de SWFR, mais il est pas vraiment au niveau, donc du coup, hop, ce que je vais faire... Ah zut, il faut que je fasse un truc avant. Ah zut! Bah tant pis, je me suis fait avoir... Oh putain, je suis vachement dans le noir en fait. Voilà, en fait, voilà. Je vais laisser la machine choisir pour moi. Voilà, contre Flyzen, pour lui laisser une chance, je vais laisser la machine choisir pour moi. Je vais d'ailleurs aller allumer la lumière, parce que sinon vous allez bientôt plus me voir. Ou peut-être que vous avez pas envie de me voir, en fait. Alors, me revoilà. Oh, 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 le joli choix, quoi. Alors ça, c'est pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, du coup, c'est super long. Ah. Mais attendez! Je lui laisse une... Si j'y vais et que je joue normalement, bah, je suis navré. C'est pas du manque de respect, mais ça va mal se passer pour lui. Là, voilà, je lui offre sa chance. Ok? Au contraire, je fais preuve d'honneur. Je me bats contre un adversaire que je sais... Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Il fait quand même des bons choix. Hein. Ah mais non, en fait, il choisit ceux que j'ai le plus utilisés, je pense. Je pense qu'il va prendre, il va prendre le Yeti, là, vous allez voir. Parce qu'en fait, vu que j'ai joué contre des gens qui avaient des petits niveaux, je prenais le Yeti pour leur permettre d'être en supériorité numérique. Zut, je savais pas, je pensais que c'était aléatoire. Bah, désolé, Fly. Bon. Bah écoute, garde le Yeti, je pense que ça va être le Yeti. Garde le Yeti. Ouais, bah voilà. Bah voilà. Débrouille-toi. Perna, Kraka, Velajuel, pas mal. Tu mets Velage en leader, ça peut être sympa. Alors, qui je sors chez toi? Bah, non. Je fais rien. Je laisse la machine choisir. Allez, encore une fois, on a dit, je touche à rien. Ah, il m'a viré Wadam. Ah, t'aurais dû virer Yeti. Tu vas voir comment il est ruiné, le Yeti. Ah, il t'a viré Kumar, c'est pas mal, hein.
C'est pas mal du tout. Et je ne choisis pas le leader skill. Je ne touche à rien. Hé, j'ai les mains là. Hop, j'ai invoqué Kumar, je l'ai mis en Violent Revenge. C'est bien? Oui, c'est très bien. C'est très très bien, évidemment. Hein. C'est un très bon ruinage pour les Beast Monk. Qu'est-ce qu'il va me choisir comme leader? Ah, il ne me choisit pas de leader. Non, j'hallucine. J'ai pas de leader. Bon, là, vous êtes d'accord? Il a ses chances. On est d'accord. Hein? Alors, qui c'est qui commence? Ah, c'est moi qui commence. Ok, bon, bah, on va se booster un petit peu tout ça, alors. J'aurais pu aller mettre un break dev, un glancing sur... Ah, mais j'ai que Oberon en Ucker, en fait. Ok. Ok. Mais méfiez-vous, hein, vous allez voir, c'est le Yeti qui fait le taf. Hein. Alors, le Yeti, je sais même pas ce que ça fait, ces skills. Réduire la vitesse. Ah bah tiens, un slow sur... ou pas. Un glancing. Ah, un glancing, c'est bien. En fait, j'ai fait une connerie. J'aurais dû me dispel. Non, bah tant pis, hein. Maintenant je suis baisé. J'ai mal joué. Alors, est-ce qu'il va focus mon Yeti? Oh mon dieu, il a tué mon Yeti! Salaud! C'était la clé de voûte de mon groupe. Le combat de l'infini. Mais non! Vous allez voir, il va gagner. Ah bah bravo le... Ah bah bravo! Bravo les procs, hein! Hop! Une petite barre d'action toute pleine pour Chazune. Ouh là là, ça fait mal ça le petit glancing, hein! Mais... Ah bah bien sûr! Ah bah bien sûr! Ah bah bien sûr, le petit proc qui va bien là. Puissance d'attaque augmentée de 10%, max DPV réduit de 10%. Aïe aïe aïe. Bon, je crois que je vais la perdre. Hein. Ah oui, le petit extra turn qui me permet de me débarrasser du break def, c'est bien. Du coup, on va pouvoir se soigner. Ah mais il a fini ? C'est pas vrai ? Hop. Ah, GG Fly. Je peux plus rien faire. GG Flizen, bravo. Hop. Il y a même Pimous qui l'encourage. Ouais, Bella, il a fait la reine là. Mais c'est exactement ce que me disait Destin tout à l'heure. C'est que Bella, c'est ultra fort en arène real time. Hein. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que, avant de choisir le prochain, parce que je pensais pas que ça partait tout de suite sur la sélection des monstres, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer quel type de team je vais jouer pour vous donner l'avantage. Et donc, pour le prochain combat, j'utiliserai une team. Une team vent.
je n'ai droit de prendre que des monstres vents. Allez, c'est parti. Hop, je retourne dans le chan et j'accepte le premier. Hop là, et voilà. Je ne dois jouer que des monstres vents. Alors, voyons voir. Qui c'est, comme qui c'est que j'ai comme monstre vent? Eh oui, il faudrait peut-être que je sorte mes monstres du stockage d'ailleurs. Sinon, je vais avoir un problème. Peut-être que j'en aurai pas assez. Oh, on a un petit show. Ah, mais j'ai Syra. Ah, on pourrait faire un truc fun. Syra, hop. Non, en fait, pas Syra. Si je prends Hathor, il me faut du monofocus. Alors, Syra. Et puis, Panda. Panda. Et c'est bon. Est-ce que j'ai un healer? Est-ce que j'ai un healer en monstre vent? Ah oui, mais j'ai Chazune, bien sûr. Ah bah voilà, je vais prendre ça et je vais prendre Chazune. Très bien. En dernier, il me faut un autre knucker, parce que je vous rappelle qu'il faut un seul knucker, c'est pas une bonne idée. Vous allez vous le faire ban et vous allez être, voilà, mal barré. Ah ouais, d'accord, ah ouais, ouais, ok. Et alors, et là, on va prendre, hop, le petit Xingze. Bon, je vais prendre le Yeti, hein, parce que le Yeti, je le prendrai quand je vois que l'adversaire en face, il est vraiment, vraiment trop en dessous. qui c'est que je banne? Bah je vais ban elle parce que elle est feu et que j'ai une team full vent. Donc du coup voilà. Ah ah, il m'a ban Chazune. Qui c'est que je mets en leader? Bah je vais mettre elle. 40% de def pour les monstres vent. Ça me paraît pas mal pour une team vent. Yeti vent. Mais non, c'est un Yeti haut, je crois. On est sur le 6667. Alors. C'est moi qui commence. Faites dodo. Ah, tout le monde qui fait dodo. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qui c'est qu'on va tuer? Je pense qu'on va tuer Belladéon. Parce que Bella, il m'a bien agacé sur le dernier combat. Petit slow ? Non. Hop. Et voilà. Mais il attaque mon Yeti! Il attaque mon Yeti, c'est pas possible, hein! Toi, tu vas faire dodo, je dis. Tout le monde fait dodo! Allez, on va s'attaquer au show! Vous avez cru que vous alliez jouer, hein? Eh ben non! Ah zut, il y a Shaw qui va jouer quand même. Tant pis. Bon allez, j'envoie l'automatique. Je crois que malheureusement, il voulait vraiment me tuer mon Yeti, hein. Mana reparle sur le chan. Ah mais oui, mais je reparle après. Alors, Mana, tu penses quoi de refroidissement Colin, Syra, Bella, Wa pour première team Necro? Écoute, comme ça me paraît pas mal. Colin, Bella, c'est un classique. Wa, c'est très bien. Et Syra, refroidissement, pourquoi pas, hein. Du coup, t'as un petit peu tous les éléments. Si quelqu'un se fait prendre, ta toile tombée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est. C'est le reset des skills. Du boss, s'il te prend Syra,
il va focus, ouais, refroidissement. Bon, à la fois, c'est peut-être pas trop grave, mais faut voir, faut faire attention. Est-ce que le GB10 passe sans verrou? À ton avis? Tu sais, le jeu existait avant qu'il sorte la fusion de Veromos. Et il fallait bien qu'on fasse le géant sans verrou, donc oui, le géant est tout à fait faisable sans verrou. Par contre, c'est quand même nettement plus facile avec. Donc du coup, vous, qui avez la chance de pouvoir fusionner verrou avant de commencer le GB10, bah, je vous conseille de le faire. Vélajuel sur une comment? Ah, gros plan! Mav ou Spectra 6 étoiles, les deux. Et ma team, c'est Pra. Il n'y a pas qu'une team en fait. Karyotype, je veux dire, t'auras des teams pour tout en fait. Broly défi mana. Alors, ok, l'arène est terminée. On va aller parler là-bas. Pour que les gens puissent m'inviter. Et puis en attendant qu'on m'invite, je vais, hop, lancer la roue pour savoir quel type de team je vais jouer. Alors, nous allons... Alors, je remets la roue, hop, et nous allons... Attention, la roue est repartie. Nous allons jouer une team light. Ok, on va jouer une team light. Alors, par contre, il faut que j'aille sortir mes monstres du stockage, en fait. Oh, j'ai pas fait mon wish. Allez, je fais mon wish. À tout moment, je gagne un monstre light et je le joue direct. Ah, une team light. Qu'est-ce que je vais avoir? Je sais pas trop ce que j'ai. 15, et ça c'est pas mal ça. Non. Oh bah yes. Alors, une team light. Qu'est-ce que je vais avoir? On va sortir un petit peu tout ça. Ah zut, je suis pas à cette place. Je crois qu'il y en a qui sont pas ruinés en plus. Bah oui, elle est pas ruinée. Ok, bon. C'est parti pour la team light. Alors, je vais me battre avec Flyboy. Ah zut, j'ai perdu la connexion. Ah, on a... on a fait cracher le chan. Bon les gars, on a fait crasher le chan. On va se mettre sur le 6666 pour voir. Ah non, ça va pas mieux. Le chan a crashé. Sérieux, j'hallucine. Bon, je vais accepter Flyboy en attendant. Peut-être que entre temps ça reviendra. Alors first pick. Qui sait que je vais first pick en monstre light? Et Eshir, ça peut être sympa. Mais est-ce que j'ai un break def? Ah oui, bah oui, j'ai un... Ah bah alors, il faut que je prenne Bella. Parce que s'il me pique Bella, et moi, je peux pas le piquer, je vais être mal. Ok! C'est pas pour rigoler en face. Je vais mettre 5 vrais monstres. Je vois déjà un Zeros. Direct, je mets 5 vrais monstres. Alors, qui c'est que je vais mettre d'autres? Vous savez qui c'est que j'aime mettre contre Zeros? J'aime bien mettre Aman. Est-ce qu'il est ruiné mon Aman, en fait? Oui. Ok. Et qui c'est que je pourrais mettre d'autre? Eshir. Voilà. Parce que, en fait, il s'en fiche, Aman, de faire reset ses skills. Parce que il soigne sur un passif. Et on va finir avec... voilà. Deux petits monstres faciles. Ok! Alors là, notre ami, il a commis une petite erreur. C'est de prendre un seul vrai knocker. Du coup, je lui ban Zeros. Et en leader, qui c'est qu'on va mettre? Est-ce que j'ai des leaders, en fait? Ah oui, bah j'ai lui. 44% d'attaque. Ah, j'aurais pu mettre à mal, en fait. Qu'un leader... ouais, bon, défense. Est-ce que Pandao est bien? Oui, je crois qu'il est bien.
Wunax, ça vaut quoi? Et Wunax, c'est pas mal, hein. Honnêtement, Wunax, c'est très sympathique, hein. À jouer avec un slow AOE, genre, un Poséidon ou un Spectra, enfin, c'est énorme, quoi. Ah bah bien sûr, en direct, ça slow mon... Ça stun mon Bellac, quoi. Alors... est-ce que je booste les ATB? Bref... Bref... Hop. Voilà. Bon, maintenant on lance l'auto. Le fameux prom comme Breakdef AOE. Alors, prom c'est bien, effectivement, c'est Breakdef AOE plus stun, mais attention, hein, c'est ultra fragile. Ça se joue... Ah oui, bah écoutez, j'ai vu Zeros au début, je me suis dit, ouh, ça va être costaud. Et puis, bon, effectivement, il n'y avait que Zeros. Pourquoi ne pas inviter Jiraiya dans SWFR? Mais hey, Jiraiya, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Je sais pas si vous imaginez, il a déjà sa propre chaîne YouTube et sa propre chaîne de stream à gérer. C'est voilà, je veux dire, il a déjà un full-time job, quoi. Bon, voilà, voilà, et je vous laisse vos chances, hein. Alors, est-ce que le Chan est revenu? Ou est-ce qu'il est toujours craqué? Ah non, il est toujours craqué, quoi, sérieusement? Je vais essayer de relancer le jeu, voir. On va voir. On a fait crasher le Chan du jeu. On veut voir Gigi contre Mana. Je sais pas s'il est cool, je peux essayer de le provoquer, mais... Je ne sais pas s'il est connecté. Je monte qui en premier 6 étoiles? Veromos. Alors, voyons voir. Ok, ça remarche. Nickel. Ah, attendez, je vais voir si je peux provoquer... Je vais voir si je peux provoquer. Il est où? Notre ami Jiraiya. Il est où le petit Gigi? Ah, je vois pas. Il y a Pimous. On pourrait attaquer Pimous. Ah, mais il est où? Pourquoi il est pas dans ma liste? Bah, bizarre ça. Ah mais non, mais je suis en guild là, mais quel abruti. N'importe quoi. Ah, il est là. Allez, je le provoque. Bon, Jiraiya, je sais pas si tu regardes, mais si tu regardes... Ah, il a accepté. Vite, vite, vite. J'envoie la roue. J'envoie la roue. Ah, je serai en infériorité numérique. D'accord. Bon, bah... Je vais mettre... Hop. Ah non, il veut pas venir. Il veut pas venir. Est-ce que je m'en sers de Rad? Non, je m'en sers pas. Elle est pas vraiment ruinée, en fait. Ah, sinon j'aurais pu prendre vraiment des petits monstres. Il faut que je sorte un petit monstre qui sert à rien en fait. Un peu comme le Yeti. Comme ça, si je suis en infériorité numérique, je prends carrément deux petits monstres, quoi, au lieu d'un. Ah, il ne veut pas. C'est pas grave. Il est peut-être occupé déjà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire une place... On va même en faire deux. Très bien. Hop, on va invoquer un petit monstre. Voilà. Un gardien de la forêt. Magnifique.
Et puis, on va repartir. Alors, j'attends vos invites. Je serai donc en infériorité numérique, donc je vais prendre non pas un, mais deux petits monstres. Et puis on va voir. Ah zut, ça a encore craché le chat. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, quoi. Comment on peut faire? Est-ce qu'on change de chat? Ah non, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Yes. Allez, j'accepte. Hop, je sais pas, j'ai pris au hasard. Hein. Je choisis pas, je prends au hasard. Je suis en infériorité numérique, donc mon first pick sera le Yeti. Le Yeti, c'est un monstre très très balèze. Hein. Faut que je vous montre un petit peu son ruinage. Il fait quoi? Donc il réduit la vitesse et puis là il étourdit pendant un tour. C'est pas mal. Ah ouais, Chazune Véromos. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pas quelqu'un qui rigole là en face. D'accord. Bon, alors si c'est comme ça... Si c'est comme ça, qui c'est que je sors? Je vais sortir ça. Je vais sortir ça. Hop. Si c'est encore 2 niveaux 40, choisis aussi 2 niveaux 40. Ah ouais, ouais, ok. C'est quelqu'un qui a le niveau. D'accord, d'accord. Bon, je vais me faire défoncer. Alors, qui c'est que je vais prendre du coup? Je vais prendre Théo. Et puis, il me faut un autre knucker. Qui c'est que je pourrais prendre? Est-ce que je prendrais pas... Est-ce que je prendrais pas Camille? Camille, elle va juste être intombable, quoi. Allez, on va prendre ça. Au fur et à mesure, elle va gagner de la puissance d'attaque. Et vu qu'elle est ultra tanky... Ça peut être sympa. Ah mais zut, j'ai pas vu que son... Ah ouais, bon, ok. Encore une fois, comme tout à l'heure, ne prenez jamais un seul knucker. Voilà. Ne prenez jamais un seul knucker. Parce que sinon, vous allez vous le faire ban. Évidemment. Ban Velajuel, c'est une très très bonne idée. Hein. C'est vraiment une très bonne idée de ban Velajuel. C'est très bien joué de sa part. Zut, je choisis un monstre leader. Ouais, bah là, j'ai le 33% ou j'ai... un leader crit ou un leader crit, j'hésite. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un ou deux healers. Et un ou deux. T'as un seul DPS aussi, Mana. Oui, c'est juste. Mais... c'est à lui. Mais ma Camille, qui est tank, au fur et à mesure du combat, elle va devenir de plus en plus knucker en fait. Alors que là, elle est en full tank, elle va finir par être hybride. Et elle va finir par taper super fort en fait. Elle s'en fiche, elle se soigne toute seule, elle se dispelle, donc c'est un monstre vraiment très bien pour l'arène. Et il a déjà tué mon Yeti, oh. Alors. Alors. Ça va être dur, hein. Je vous cache pas que ça va être compliqué. Je sais pas comment je vais réussir à m'en sortir. Glancing là. Ça ne va pas m'aider. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Vous avez vu ma Camille Tank? Elle se débrouille quand même. Et là, vu qu'on a volé le tour grâce au buff ATB de Bella. Break attaque.
Peut-être pas réussir à le tuer alors. Ah si, on réussit à le tuer quand même. Ok, très bien. Très bien, très bien. Du coup, qui c'est qu'on va tuer? Bah tiens, on va tuer elle. Parce qu'elle a pas beaucoup de points de vie, elle est feu. Donc du coup, ma Camille, elle va pouvoir à nouveau faire le taf. Yes! L'extra turn qui tombe pile poil au bon moment. Ça fait plaisir. Rip Lord of Fraise. C'est pas Lord of Fraise, c'est Love of Russia. C'est pas le dieu des fraises. Ok, donc là en plus on va bam gagner un tour. Ok, on peut envoyer l'automatique maintenant, hein. Il ne me tuera plus. Il n'arrivera jamais à descendre ma Camille. Donc voilà quoi. Alors, que penses-tu de Kitsune Light? Tu la ruinerais? Certains la ruinent tank. C'est encore un monstre, je trouve, qui peut être pas mal en hybride. Mais voilà, ça demande quand même des grosses runes quoi. Ah, on a quand même perdu. On a quand même perdu Théo. Ah. Voilà, puissance d'attaque augmentée. Ah oui, mais j'étais en train de dire pourquoi elle proc pas. Bah oui, mais elle est plus en violent. Elle est en runage tank. C'est vrai, zut. Oh là là, mais ça va être long, quoi. Ça va être la mort, ce combat. Ah ouais, mais ça va être insupportable, en fait. Oh là là. Quoique... Avec les bonus qu'on va gagner en puissance d'attaque. Ah. Allez. Elle va commencer à taper sérieusement. Voilà, un petit break dev sur la chaise 1. 40% de puissance d'attaque augmentée. Alors, combien elle fait? Ah, Glance. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est nul. Glancing. Encore? Et ça commence à cogner. Ah oui, pas mal, hein. Allez, devant contre un monstre. Oh là. Oh mon dieu, le combat de l'infini.
de perdre vos mobs. Ouais. Elle fait plus rien. Bon, allez. On va abréger les souffrances de ma Camille. Félicitations, Lord of Russia. GG. Et vous voyez que, hein, malgré la différence de niveau, pour l'instant, tout le monde s'en sort bien. Allez, on est parti. Je vais relancer la roue. Hop. Et je vais utiliser une team. Light encore ? Ok, encore une team light. Oh là là, mais encore... encore cracher le Chan. On a encore craché le Chan, ça veut pas. Bon. Pas le choix, hein. Relance. Donc voilà, hein. Là bon, on rigole, on fait pas ça très sérieusement, mais je pense que vous voyez que les monstres points de vie sont pas forcément favorisés, parce qu'au fur et à mesure du temps ils vont perdre du max points de vie, donc du coup ils ont et du moins de points de vie, et en plus ils feront moins mal. Ensuite, Bella est super efficace. Je vous propose de me rejoindre sur un autre... LOL. C'était fou. Allez, j'accepte le premier. Ouais, donc Bella est très fort. Et puis, prenez deux knockers, quoi. Ok, donc on a dit Team Light. Hop, je prends Bella. J'ai trop peur qu'il pique Bella dès le début, et puis du coup... Après, c'est compliqué sans healer. Ok, c'est encore un petit niveau, donc je vais prendre le Yeti et Shir. Hop. Ah. Ah ah. Ok. Alors. Ah, c'est pas mal, hein, ce qu'il a pris. Ouais, j'aurais quand même tendance à... Ouais, à ban lui, je veux dire, il est ténèbre, il va me faire tellement mal. Hein. Ça va pas le faire. Bon, il a un tiron, et moi, j'ai pas d'immunité. Il va me contrôler comme un malade entre son tyran et son Poséidon. Banne pas le mob pété. Mais les gars, je perds à chaque fois. Ça vous suffit pas? Alors. Et c'est là que les ennuis commencent. Voilà. On ne va pas jouer. On va le laisser jouer encore un tour. On se dit que... Aïe, 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 ça fait mal, hein. Ouh là 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 là. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Hein. Ça serait bien que Bella proc. Sinon, je suis vraiment mal. Allez, Bella, fais quelque chose. Allez, 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 le chacha. Allez, proc. Bella. Ah non, il veut pas. Aïe. Oh, c'est dur, on va encore la perdre celle-là.
Allez! Alors... Est-ce qu'on va... Non, il rate son break def en plus, j'hallucine. Mais non! Ah! Ah ah! On revient dans la partie. On va se faire ça, voilà. Ouais, bah c'est bon, fais le malin avec ton Bernard. Alors, est-ce que j'arrive à jouer un jour? Ouf, voilà, ça fait mal ça. Ah, ça c'est bien. On a posé un break def. Voilà. Ouh, on a tué quelqu'un. L'honneur est sauf. Hop. J'ai pas envie d'aller mettre un break def sur le... sur l'empereur des mers, parce qu'il va se faire un plaisir de me le renvoyer. Aïe, 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 ça va faire mal, ça. Ouh, oh là là. Ah, ça fait mal. Je souffre, là. Ah, je peux pas faire mon massacre. Ah, je vais pas pouvoir soigner. Non. GG, GG, t'as gagné. Bien joué. Bien joué, bien joué. Hop. Alors. Qui sait... Alors, plutôt, déjà. Hop. Qu'est-ce que je vais faire lors de mon prochain fight? Team O. Ok. Ok, ok. Bon, alors, une team O. Je me recose sur le 6667. On va détruire tous les chats du jeu, quoi. Est-ce que ça veut? Connexion en cours. À chaque fois qu'on passe sur un chat, il crache. Comment on se fait pour une summon? C'est sur Facebook. Alors, ouais, ça marche plus, hein. Sérieusement. Il faudra que je trouve une autre méthode pour choisir des adversaires, parce que à chaque fois ça fait crash les chan, quoi. Le 109 est mort, ouais, ouais. Le 109, il est mort. Faut que je me recoue à chaque fois. Voilà, en fait, je touche à rien. Je me cause sur un chan, vous voyez lequel c'est. Hop. Voilà. Je sais pas qui c'est, j'accepte. Voilà, je sais pas lequel j'ai accepté. Et on a dit quoi? Une team O. Ok, encore une team O. D'accord, d'accord. Bah, écoutez, on va prendre Théomars. On va prendre Théomars, après on va prendre qui? Ok, Bellaramagos, d'accord, d'accord, on va prendre ça, on va prendre ben ça, pourquoi pas ça, c'est bien ça. Qui c'est que je pourrais prendre d'autres en eau? Orion, Megan, ah, il y a plein de trucs sympas en fait, hein. Ah, mais elle est pas ruinée, zut. Zut, zut. Ah, oulala, oui, c'est un petit niveau encore en face, d'accord, du coup... Je vais prendre mon Yeti. Il est où mon Yeti? Il est là mon Yeti. Je vais prendre mon Yeti. Et qui c'est que je vais prendre en eau? Allez, Orion. Voilà.
Et je vais lui ban. Qui je vais lui ban? Je vais lui ban Ramagos. Ah! Pas de Théo. C'est pas grave. Tu vas voir mon Yeti comme il est fort. Leader. Bah lui en fait. Il y a que lui. Ah c'est combat de guild, on est d'accord. Hein. Voilà, c'est le seul qui a un leader skill valable. Ah non, mais Rina... Ah, il est parti. Rina, ça marchera pas, hein. Tiens, on va envoyer une... Rita et Rit, ils voulaient se battre tout à l'heure. Vous allez me voir me prendre une volée en direct. Alors, c'est moi qui commence. C'est moi qui commence et je vais pick Théo. Allez. Orion, Syrah. Taurus. Ok, il est parti pour de la bombe. Il est parti pour de la bombe. Du coup, on va mettre ça et ça. Ok. Il s'est pris deux leaders de vitesse pour être sûr d'en avoir un. La petite racaille. Alors, qui c'est qu'on va prendre? On va se prendre un healer quand même, ça serait bien. Et puis, qui c'est qu'on pourrait se prendre? Voilà, écoutez, on va pas faire dans le compliqué. Voilà. Alors, on va virer elle. Et lui, il vire VLHUL. C'est tout à fait logique. Hein. C'est complètement logique. Et en leader, on va mettre... Ouais. Est-ce que je mets ça ou est-ce que je mets celui... Ouais, on va mettre celui-là. Alors, il va l'initiative, il va Orion, ensuite il va me poser des bombes. On va voir comment ça va se passer. Ah bah direct, dispel plus break dev sur Chazune. Bah bravo. Désolé Rit. On va faire ça pour récupérer complètement sa barre et pour rejouer tout de suite derrière. Hop, et voilà. Ça c'est fait et ensuite on va mettre un glancing là-bas. Très bien. Alors, on va se débarrasser de lui. Ou pas. Ah, la bombe statique, ça, c'est vraiment chiant. Parce qu'en plus, mon... Waouh, ça fait super mal. Oh, j'hallucine. Ouch, comment ça fait mal. Ah, une petite fille occulte qui proc, là. Petite Rika, jolie. Glancing là-bas. Non. Ah, on va perdre, hein. Ah non, c'est bon, c'est, je suis bête, y'a Wadam. Hey, newbie, on veut un mana versus Broly, on veut un mana versus Broly. Ok, newbie, ok, demandez comme ça, effectivement. Je peux pas refuser, alors ça sera Broly le prochain. Mais vous avez vraiment envie de me voir perdre aujourd'hui, en fait, hein. Vous êtes dur avec moi.
Alors, on va soigner son petit Wadam, parce qu'un Wadam avec de la vie, c'est nettement mieux pour faire son job. Et en plus, on récupère toute notre barre de vie, donc ça, c'est plutôt bien. Ah, ça, c'est dommage. Je pensais quand même qu'il arrivera à le tuer. Je suis un peu déçu. Ah, ça, c'est bien, par contre. Voilà pourquoi je l'aime en revenge, hein, le Théomars. Voilà, je vais le tuer comme ça, c'est fait. Je suis sûr, hein, au cas où, sur un malentendu. On va break Dev Vanessa. Et en plus, c'est une Yolonessa, hein. Ah, le coquin, hein. Il joue la surprise avec sa Yolonessa, hein. Bon, là, ça sent le pâté pour lui, hein. Je veux pas être... Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir lavé, mais... Mais ça sent pas bon. Alors, de qui on récupère les skills? On va récupérer le skill de Théomars, au cas où. Comme ça, il récupère son endure. Est-ce qu'il arrive... Ouais, bon, on va pas prendre de risque, on va le tuer lui. Il reproc, c'est parfait. Ouais, j'étais pas sûr qu'il la tue et j'avais bien raison. Voilà, un break attack sur lui. Voilà, hein, j'ai bien fait de refaire proc l'endure. Alors, ouais, je vais le heal, comme ça je récupère en plus ma barre d'attaque. Même s'il a le break def. Voilà, comme ça, en plus, je passe ça. Très bien. Voilà. Ouch, ça picote, hein. Allez, on va le finir tout en douceur. Oh, 51k. Aïe, ça fait mal, hein. Ouh là 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 là. Ok, voilà Rit. Bon, Broly. Newbie, elle m'a donné un pourboire pour que j'attaque Broly. Alors, on va attaquer Broly. C'est avec grand plaisir qu'on va attaquer Broly. Hop. Ça sera le dernier combat de la soirée, les amis. J'espère pas le perdre, ça serait la lose. Alors c'est moi qui commence et je vais pick Théo. Je vais prendre ma team comme d'hab, hein. Écoutez. Est-ce que... Ouais voilà, ok, il prend Sira Orion, donc il est parti aussi sur une team bomber. Donc il va me dépick Velajuel. Beta. Lagmaron, ok. Voilà. Qui c'est que je vais lui dépiquer? Ah, Faye, jolie Faye. Je vais lui dépiquer Sira ou je lui dépiquer Orion. Je pourrais lui dépiquer Orion. Est-ce que ça le ferait plus chier que Sira? Ouais, ok. Il a des piques Wadam. Ok, il a des piques. Il a préféré des piques Wadam que Velajuel. Ok. Ok, ok. Alors, allons-y comme ça. Alors, tout va se jouer sur Faye, en fait. Si Faye ne foire pas son skill 3, ça risque de faire très très mal. Alors, le petit Orion. Ok. Là, elle va me sortir son petit truc insupportable. Boum. Ouh, ça fait très très mal. C'est extrêmement douloureux et désagréable.
Ouh là là. Le problème, c'est surtout l'anticritique, en fait. Je sais pas s'il est costaud, son lagma. Ouais, bon, forcément. Si on peut pas mettre des critiques. Ah, j'ai été bête. J'ai été bête. Ouais, j'aurais dû la tuer. Enfin, en tout cas, la focus elle. Plutôt que le lagma, en fait. Puisque le lagma, il avait déjà joué. Si j'arrivais à la tuer, bah, elle jouait pas du tout, quoi. J'ai été très bête. C'était un misplay de ma part. Ah ah! Ça va être chaud. Ouh là là là. Ça va être très très chaud. Ouais, je suis obligé de le finir lui. Ah ouais, elle me tue. Et du coup, je ne pourrai pas finir. Eh ouais, c'est perdu. C'est perdu, GG Broly, bravo. Eka qui m'envoie des SMS. Bah voilà, écoutez, on a fait un petit peu d'arène en temps réel. Qu'est-ce qu'on peut en dire avant de finir? Bah déjà, c'est lent. C'est vraiment ultra lent et du coup, c'est un petit peu chiant. Ensuite, bah vous avez vu, hein, y a pas mal de problèmes de déco, tout ça, le système d'invitation, c'est pas bon. Les systèmes d'augmenter la puissance d'attaque, diminuer les points de vie, bah ça favorise quand même vachement les monstres attaques et aux dépens des monstres points de vie. Et puis sinon, alors qu'on pensait que finalement ça pourrait être quelque chose de très sympathique, bah ça sera quand même plutôt les gens qui ont des gros gros monstres qui s'en sortiront bien. Et encore une fois, bah voilà, les runes feront toute la différence. Ça permettra pas, par exemple, à des petits niveaux de s'en prendre à des hauts niveaux. Voilà. Je pense que c'est un système qui est sympathique, qui mérite d'être peaufiné un petit peu. On voudrait aussi un mode spectateur, hein. Franchement, ça serait vraiment très 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 sympa. Pensez surtout à prendre deux knuckers, quoi. Si vous prenez un seul knucker, vous allez vous le faire ban, et du coup, ben, vous retrouvez qu'avec des supports. Donc voilà, pensez à ça, c'est assez important. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà quoi, le système de pique un monstre et du coup qu'il est plus accessible à l'adversaire, je sais pas si c'est une très bonne idée, hein. Franchement, ça rajoute un petit peu de stratégie dans le pique et le ban, mais bon, voilà. Voilà ce que j'en pense. Et puis voilà, Bella est ultra fort. Il a vraiment un kit de sort. Finalement, c'est les monstres qui sont très couteau suisse qui vont être très forts en fait en GVG. Parce que du fait qu'ils vont servir à plein de choses, ben voilà, si vous avez plein de monstres qui servent à plein de choses, ben on vous pique, on vous banne n'importe lequel. Ben voilà quoi, vous pourrez quand même vous en sortir. Voilà, voilà. Bah écoutez les amis, ce live est maintenant terminé. Je vais voir si éventuellement il y a quelqu'un chez nous qui est prêt à reprendre. Je vois personne de co. Ah, ils sont tous là-bas. Ok, ok. Bah écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de co prêt à reprendre. Moi, je vais vous laisser en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, ce sera mercredi soir, 20h, pour la chasse aux Zeros. Pour tout le monde, hein. Je vais summon pour vous. Pendant 4 heures, on va se faire une méga chasse aux Zeros. J'espère au moins en choper un dans la soirée. Ça me ferait quand même plaisir. Et évidemment, je finirai par ma propre summon. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao! Je reprends. Ah, tu reprends. Ah, bah c'est parfait. Bah écoutez, il y a Flitten. Flyzen qui va reprendre juste après. Ne quittez pas, restez là, il arrive. Allez, ciao!